A priori, tout le monde est là. Ok. Bon, bonsoir. Alors, on va commencer du coup. Donc, bonsoir et bienvenue pour ce conseil municipal du 14 avril. Il est 18 h, bah, pile. Je vais procéder à l'appel nominal des conseillers. Et ensuite, je vous donnerai les procurations et je vous ferai passer la fiche de présence. Donc, Maëlle Dubosc Paysan. Présente. Alain Clavry. Bathilde Vatrou. Édouard Dupouille. Présent. Henriane Ruval, qui a donné procuration à Céline Lunardelli. Michel Villéger. Céline Lunardelli. André Jakubiak, absent. Baudouin Merlet. Véronique Casavant. Patrice Biancone. Myriam Langlois. Caroline Chabreduc. Sandrine Bompas. Gaëtan Darix. Paul Gonzalves, absent. Mathieu Parayou, qui a donné une procuration à Caroline Chabonuc. Jean Belloc, qui a donné procuration à Patrice Biocode. Elsa Becker, qui a donné procuration à qui? Ok. Quentin, qui est absent. Ah, André Jakubiak qui arrive. Donc, André. Présent. Quentin, absent. Henri, qui a donné procuration à Cathy Manteau. Lionel Barberis, présent. Caroline Escarante, qui a donné procuration à Lionel. Alors, Elsa Becker est absente. Donc. Emmanuel Bécheron, du coup, tu es présente. Cathy Manteau. Présent. Et David Laviel. Très bien. Bon. Je vous fais passer la feuille de présence. Donc, le conseil a atteint son quorum. Et donc, je déclare la séance du conseil municipal du 14 avril 2021 ouverte. Qui est la plus jeune aujourd'hui? Myriam Langlois étant la plus jeune, c'est toi, ma belle. Quentin n'étant pas là, Mathilde Vatrou. Non, mais lui, il a parlé. Mathilde Vatrou. Non, c'est toi, oui. Et désigné comme secrétaire de séance. Bien. Donc, avant de passer un petit peu, je voulais juste vous dire deux, trois choses. Mais ça va être assez rapide et vous verrez, le conseil va être rapide cette fois-là. Donc, aussi bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Internet pour ce conseil un peu municipal, un peu spécial. En effet, il est spécial et peu chargé car nous avons à voter un article et non des moindres puisque c'est le taux d'imposition des impôts locaux. Il est impératif de le voter, de le transmettre au préfet au plus tard le 17 avril. On devait le rendre pour demain, mais en fait, on a une prolongation jusqu'au 17 avril. Édouard Dupouille va nous donner plus d'explications dans un moment, mais je souhaitais vous faire un point un peu sur ce nouvel épisode de confinement que nous vivons. Rarement notre vie quotidienne n'aura été impactée par une crise sanitaire et ces mesures renforcées de protection et de prévention restent plus légères que lorsque on avait le premier confinement et le premier épisode, mais elles modifient considérablement le bon fonctionnement de notre vie sociale et économique. Nombre d'activités, commerces, restaurants, cafés, organismes culturels et sportifs, tout comme beaucoup d'associations, se voient empêchés de travailler, de pratiquer leurs loisirs et tout simplement de vivre normalement. La situation est difficile pour tout le monde, pour les enfants qui sont bridés dans leur émancipation, pour les seniors parfois privés de leurs liens familiaux si essentiels, pour les commerces et les entreprises qui n'ont de cesse de se réinventer afin de trouver une solution pour continuer d'exister, pour nos soignants épuisés qui continuent d'exercer dans des conditions difficiles. La lassitude nous gagne
et nous constatons de plus en plus d'incivilité et un manque de respect des règles sanitaires en vigueur. D'ailleurs, à propos, après le vote de ce soir, je vous donnerai quelques infos sur ce suite au buzz fait autour de notre ville sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on aura de quoi réagir ensemble. Après avoir réactivé notre cellule de crise, nous avons en effet remis en place nos dispositifs de soutien aux personnes vulnérables, ainsi qu'à l'activité économique. Vous pouvez d'ailleurs également vous rapprocher du CSAS dans d'autres communes, qui vous accompagnera dans vos démarches pour les vaccinations pour ceux qui sont dans les tranches d'âge. En liaison aussi avec l'Office de tourisme, la version actualisée de la carte interactive OpenStreetMap est en ligne afin de répertorier tous les commerces proposant la vente en ligne, en livraison ou à récupérer sur place au niveau des restaurants principalement. Toute l'équipe municipale et l'ensemble des services de la mairie restent mobilisés et à votre écoute. Et nous devons garder confiance en l'avenir et espérer que les prochains mois verront s'alléger les contraintes. Dans cette perspective, nous continuons notre travail sur les dossiers engagés, comme la rénovation de la place des Landais. Et d'ailleurs, demain, nous allons choisir le cabinet d'architecte qui va prendre ce gros projet. La protection de notre environnement, la réhabilitation du poste de police municipale, le sporting que l'on continue de travailler et pour lequel on va avoir des réunions très prochainement, le parking des écoles qui va débuter en septembre, le plan Lumière qui a débuté, les animations culturelles et sportives quand on peut les faire, et le centenaire de la station qui commence à débuter sous l'égide de Céline. Et bien sûr, nous préparons la saison. Et tout sera mis en place et en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions possibles nos vacanciers. D'ailleurs, nous aurons prochainement l'occasion d'en reparler. Je vous donne quelques chiffres au niveau du Covid d'aujourd'hui, au moins pour information. C'est ce qu'on a reçu ce matin. Et donc, la circulation du virus s'intensifie dans les Landes et la tendance à la hausse des principaux indicateurs depuis 15 jours se confirme. Nous comptons à ce jour 41 hospitalisations et 7 en R1. Le taux d'incidence continue d'augmenter pour atteindre 103,4 pour 100 000 habitants contre 82 en semaine 12, soit une augmentation de plus de 21% en 20 jours. Cette hausse s'observe dans toutes les tranches d'âge et en particulier dans la tranche d'âge des 15-44. Chez les 65-75 et plus, le taux progresse mais de façon modérée. Ils ont été vaccinés, donc un peu ceci explique cela. Le taux de positivité est de 4,58 avec un rendu normalement national qui est à 1,16. Parmi les tests effectués, ces derniers 7 jours, il y a eu 10 363 tests, pour 443 positifs. La proportion de suspicion du variant anglais est de 76% et de 5% pour les variants dits sud-africains ou brésiliens. En ce qui concerne la vaccination, au 14 avril, 83 710 Landais ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 20,3% pour être exact, et 26 666 ont reçu les deux doses, ce qui donne un pourcentage de 6,5%. Donc, en espérant que l'efficacité de la vaccination à grande échelle puisse marcher, j'espère que nous pourrons nous retrouver très bientôt dans des conditions agréables et plus sereines. Maintenant, nous allons passer à l'ordre du jour de ce soir. Donc, c'est un ordre du jour simple et unique article qui est la fixation des taux d'imposition 2021. Nous devions voter cet article en même temps que le budget, mais ne le sachant pas, nous avons raté ce moment-là. De plus, les informations des taux, puisque c'est une information qui est donnée par la préfecture, est arrivée que la semaine dernière, et de ce fait, nous aurions dû faire préalablement un vote de taux approximatif si nous l'avions voté en plein budget, et nous aurions dû faire un ajustement quoi qu'il arrive. Je tiens à m'excuser cependant à l'Assemblée pour ce raté. En effet, depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales que les communes percevaient, cela a entraîné la mise en œuvre d'un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2021. Je vais laisser la parole à Edouard qui va vous expliquer ces modifications. Edouard, c'est à toi. Merci, monsieur le maire.
Donc, comme vous l'avez précisé, cette délibération, elle a pour but de fixer les taux de fiscalité dans un contexte particulier que je vais tenter de vous expliquer de la manière la plus simple et claire possible. Tout d'abord, c'était un engagement de campagne. Nous n'avons aucune intention d'augmenter la pression fiscale sur la commune. Pour rappel, auparavant, nous avions trois taux de fiscalité locale. Le premier concerne la taxe d'habitation et s'élevait à 11,67. Ensuite, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Comme vous le savez, c'était une promesse du président de la République. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales se fait depuis 2018 et de manière progressive jusqu'en 2023. Cette année, l'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs regroupements. Concrètement, cela signifie que notre commune ne perçoit plus le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales, qui pour rappel s'élèverait à 2,6 millions d'euros. Attention, je tiens à préciser pour tous ceux qui nous écoutent que cela ne signifie en aucun cas que vous n'aviez plus payé de taxe d'habitation. Cela signifie juste que la commune ne perçoit plus ce produit. Donc, afin de combler ce manque à gagner, nous allons récupérer le taux initialement perçu par le département sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, concrètement, je vous propose de passer au statut. Voilà, merci. Le taux du département s'élevait à 16,97, comme vous pouvez le voir, en 2020, et il a été transféré à la commune, ce qui fait que nous avons un taux qui est égal à 28,82. Cette augmentation de taux, elle va être neutre pour le contribuable, si on peut passer à la slide suivante. Ouais, merci. Donc concrètement, si vous regardez la feuille d'imposition du contribuable, cette réforme, elle est purement cosmétique. C'est-à-dire qu'on va allouer un taux qui était initialement prévu pour le département à la commune. Il n'y a donc aucun impact pour le contribuable. Donc la suppression de la taxe d'habitation est ainsi compensée par ce transfert. Donc à noter un dernier point, il y a un effet. Il est à noter que ce transfert ne va pas générer de recettes supplémentaires pour la commune. En effet, il y a un coefficient correcteur qui va venir corriger un éventuel déséquilibre, et c'est notre cas, on va le voir dans la slide suivante, entre le produit de la taxe d'habitation que nous avons perdu et le produit de la taxe foncière sur les produits bâtis, départemental qui nous a été attribué. Donc, comme vous pouvez le voir dans les deux diagrammes qui sont proposés, donc la situation initiale en 2020, donc on avait bien une taxe d'habitation à 2,6 millions, une TFB pour 1,7 millions et la taxe foncière pour non bâti qui est un peu moins significative. Pour 2021, suite au changement que je vous ai présenté, donc on a toujours de la taxe d'habitation pour 1,6 millions, puisque là c'est bien la taxe d'habitation qui concerne notamment les résidences secondaires, qui elle n'est pas supprimée, et nous avons notre taxe foncière sur le bâti qui augmente considérablement suite au taux dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'elle atteint 4,3 millions. Et nous avons la correction sur compensation à hauteur d'1,5 million, comme je vous l'expliquais, qui vient corriger ce déséquilibre. Ce qui fait qu'in fine, on se retrouve dans une situation relativement stable. C'est purement comme cosmétique, comme je vous l'ai dit, et on a des recettes fiscales locales qui s'élèvent à un peu plus de 4,5 millions euros. Voilà. Concrètement, donc, suite à ce mécanisme, on peut regarder la slide suivante. Donc, comme je vous l'ai dit, une taxe foncière sur les propriétés bâties de 4,3 millions, sur le non bâti pour 83 000 euros. L'allocation compensatrice qui est non significative, la taxe d'habitation pour la résidence principale, hors résidence principale et locaux vacants pour 1,7 million, et cette fameuse correction, donc on arrive bien sur nos 4,5 millions.
Donc il est proposé à l'Assemblée de ne pas augmenter ces taux de fiscalité locale et de les voter ainsi. Taxe foncière sur les propriétés bâties pour 28,82% et taxe foncière sur les propriétés non bâties pour 72,5%. Maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Le taux, moi j'aurais juste que les choses soient claires, c'est que le taux du montant de 28,82, dont vous avez vu qu'il y a la partie qui est la partie municipale, la partie locale. Et j'insiste sur cette chose-là parce que nous, on s'est engagé à ne pas l'augmenter. Et si une augmentation se fait, c'est que ça sera fait par le département. Aujourd'hui, on est à 28,82 et nous, nous ne bougerons pas la partie qui nous concerne. On aurait pu le faire, mais on ne le souhaite pas et on s'est engagé là-dessus et on restera sur cette partie-là. Donc les 28,82, c'est la correction des deux taux ensemble et qui est en fait proposé ce soir au vote pour qu'on puisse le faire passer avant le 17. Donc on va passer au vote. Vous avez des remarques, monsieur Barberis? Pourtant, les choses sont tout à fait claires. Alors, elles sont limpides, monsieur le maire. Je vous remercie. Merci pour les explications, parce que effectivement, c'est important d'avoir beaucoup de pédagogie. Et merci, c'était très très clair. Juste mon intervention, parce que vous l'avez dit au tout départ, c'est le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales qui me pose un problème. Puisque, en fait, à travers ça, c'est vrai que les habitants se retrouvent avec des taxes d'habitation qui peuvent être supprimées. Alors, pas forcément dans notre commune, mais dans beaucoup de communes. Le président avait dit, effectivement, c'était une façon de dire, les maires, vous ne pouvez pas forcément vous plaindre de voir une taxe d'habitation supprimée. En réalité, moi, j'y vois surtout une manière de l'État de reprendre la main sur les collectivités en termes de financement. Et ça me pose plus de problèmes. Parce qu'en fait, la libre administration des collectivités fait que les communes ont toujours été bien gérées en France. Et on a des maires qui gèrent au mieux pour justement faire en sorte que les collectivités puissent financer tout le service public qu'on a à disposition des citoyens. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin, on le voit, parce que dans beaucoup de points, l'État se désengage de pas mal de domaines. Et on est bien content de trouver les collectivités territoriales, notamment les mairies, pour financer des services de proximité. Ce qui se passe, c'est que là, en faisant ce que l'État est en train de faire, c'est qu'il est en train de remettre la main sur le financement des collectivités, notamment des départements, puisque c'est le département qui, lui, se voit totalement dépendant de l'État. Je rappelle juste la période qu'on a vécue entre 2014 et 2017, où on s'est retrouvé avec une baisse de dotation, de dotation globale de fonctionnement, qui est la dotation de l'État, de plus de 30%. Mmh. 30% de suppression de recettes pour les collectivités. Il a fallu pour les maires innover, il a fallu changer les choses, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, puisque ça oblige les maires à encore mieux gérer les collectivités avec moins de moyens. Mais ça veut dire que dans la situation actuelle, avec ce qui se passe notamment au niveau du Covid, je pense que ce serait utopique que de penser que l'État ne remettra pas une nouvelle couche de suppression, de baisse des dotations aux collectivités et de croire que nous ne serons pas impactés. C'est-à-dire qu'en faisant ce qui est en train d'être fait par l'État, c'est-à-dire que c'est une manière de dire, demain, quand il faudra faire un effort nouveau pour financer l'État et financer le manque de finances publiques, parce qu'aujourd'hui, clairement, ça va être le cas, on va avoir des difficultés à financer dans le futur. Ce que l'État est en train de faire à travers ça, il est en train de dire aux collectivités, demain, je vais vous ponctionner à nouveau de l'argent, parce que ce qui est aujourd'hui à l'équilibre, je ne vous le garantis pas à vie. Et nous, collectivités, donc nous élus, on devra trouver des solutions pour gérer autrement les collectivités avec beaucoup moins de moyens. C'est en tout cas une porte qui s'ouvre que l'État n'avait plus puisqu'il avait largement baissé les dotations aux collectivités. Donc c'est pour ça que je voulais, et je me permettais d'intervenir, c'est que effectivement ça ne changera rien aujourd'hui pour les habitants, mais dans le futur, dans la façon de gérer nos collectivités, nous serons impactés et je pense que l'État reprend la main sur notre gestion à travers ce fonctionnement-là. Je vais réenchérir derrière ce que tu viens de dire. Il est vrai, alors nous, nous mairie ou maire ou conseil municipal, on n'a pas grand-chose à dire puisque ça, c'est quelque chose qui est initié par l'État. Sur la partie d'aller chercher de l'argent ailleurs compte tenu du manque de financement que l'on peut toucher par rapport à ça, il y a déjà des taxes qui sont dans le tuyau et qu'on va devoir malheureusement voter, qui est la taxe, la fameuse taxe GEMAPI, qui va être un impôt. On en a parlé la dernière fois et vous le savez, on l'a voté pour ça et en fait c'est par le PCI que ça va se faire.
Et en fait, la taxation qui va être faite va arriver dans cette partie-là. Et la compensation dont tu parlais, eh bien, on va la retrouver par rapport à ce type d'impôt. Ce qui est sûr et certain, et en tout cas en ce qui nous concerne, ce qu'on va voter là, notre partie à nous, celle que l'on maîtrise, on ne va pas la bouger. Parce qu'on aura d'autres taxations qui vont être faites par l'extérieur, soit par les EPCI, soit par le gouvernement. On va peut-être avoir une taxe Covid qui va peut-être arriver. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il va falloir trouver d'autres ressources, ou en tout cas, il va falloir gérer au mieux et au plus près l'argent public qui nous est donné. C'est pour ça que c'est bien de ne pas vouloir toucher au taux. La réalité, c'est qu'on risque de se retrouver sur une DGF qui est de combien aujourd'hui, Edouard? Je ne sais plus, j'ai plus en mémoire, je l'ai Elle plus. A encore diminué. Là. Elle a diminué. Voilà. On a une dotation globale de fonctionnement de l'État qui nous permet d'équilibrer le budget de la commune. Alors, nous, on a de la chance, on a quand même d'autres recettes, on a des leviers sur notre commune qui est touristique, heureusement. Absolument. Et les recettes touristiques ont largement augmenté ces dernières années pour justement financer aussi ce manque qu'on pourrait avoir. Mais je pense globalement à toutes les collectivités de France qui n'ont pas cette chance-là et qui vont avoir du mal aussi avec des baisses de DGF, de dotation d'État, à trouver des équilibres. Nous, on est sur des taux de fiscalité qui sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas élevés par rapport à d'autres collectivités. Je pense que pour les élus locaux, ce sera difficile. Et nous devrons avoir de plus en plus des mandats de gestion qui seront des mandats où il faudra prendre des décisions souvent difficiles, voire des suppressions de politiques publiques qui auront été initiées depuis plusieurs dizaines d'années pour les concitoyens, en fait. Pour les citoyens. Bon, pour l'instant, c'est pas dramatique parce qu'ici, c'est vrai qu'on est dans une situation relativement confortable, mais c'est vrai que la gestion de l'argent public en ce qui concerne la mairie, ici, aujourd'hui, sera très importante et on sera très attentif à ce genre de choses. Bien, après ce débat, est-ce que on va voter, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Donc, à l'unanimité, nous sommes pour. Merci. Donc, je voudrais revenir, on en a parlé tout à l'heure, je voudrais revenir sur le soudain regain d'attractivité de la ville rencontrée chez les jeunes. Et vous en avez certainement reçu écho depuis ces derniers jours. L'objet de ce buzz qui s'est emparé du réseau social TikTok, principalement, qui est une plateforme très prisée des adolescents et des jeunes adultes, et des vidéos de jeunes de 15 à 18 ans, partagées en masse et regroupant à peu près aujourd'hui près de 30 millions de vues, sous le hashtag Osgore, incitant à venir séjourner en nombre dans notre commune cet été pour y faire la fête. Alors, nous restons très attentifs à ce message déposé sur un réseau très populaire et également relayé par les médias nationaux et régionaux. En outre, tous les indicateurs, et on en avait déjà parlé, montrent que nous devrions connaître une forte fréquentation cet été, si les mesures sanitaires s'assouplissent, ce que l'on croit plus ou moins tous, mais en tout cas, on risque d'avoir énormément de monde. Alors, si nous sommes très heureux d'accueillir des touristes, car cela signifie l'assouplissement des mesures sanitaires, la reprise économique de notre station, on travaille actuellement en lien étroit avec les forces de sécurité pour renforcer notre dispositif de surveillance. Nous reviendrons d'ailleurs rapidement vers vous avant de vous présenter les mesures envisagées dès que ça sera finalisé. Et nous avons pour l'heure contacté tous les particuliers, les agences immobilières, les hôteliers, les conciergeries. Ça représente à peu près 900 personnes à qui on a envoyé une circulaire pour les inciter à rester vigilants quant à les clientèles qui sollicitent leurs biens locatifs. Nous restons bien sûr en contact avec eux et nous allons la semaine prochaine organiser une rencontre pour qu'on puisse dialoguer et échanger. En parallèle, vendredi dernier, nous avons rencontré le procureur de la République, le sous-préfet et la gendarmerie pour mettre en place une cellule de veille afin de répondre aux éventuels débordements que nous constatons parfois l'été. Cela sera mis en place prochainement. Et je vous donnerai beaucoup plus de détails dès que nous finaliserons ce dossier et dès que le procureur nous y autorisera, puisque pour l'instant, c'est en gestation et il nous a demandé d'être discret sur le sujet. Mais je voulais quand même vous en faire part, parce que c'est assez important
que vous sachiez qu'on ne reste pas les bras croisés et qu'on attend. Nous comptons faire une très belle saison et elle sera sans doute intense, mais nous mettons tous les dispositifs nécessaires pour qu'elle soit maîtrisée au mieux dans le strict respect des consignes sanitaires. Voilà, c'est le sujet que je voulais partager avec vous. C'est quelque chose d'important puisque c'est vrai que même hier soir sur TF1, vous aviez la météo, vous aviez Osgore. Alors, ils disent pas Sors Osgore, ils disent Osgore. Donc, ce qui est un peu dommage. Mais en tout cas, c'était à la une pour la météo. Donc, voilà. C'est un sujet qu'on prend avec sérieux et avec responsabilité parce que ça nous engage tous. Et je parle toutes les personnes qui sont autour de la table, mais aussi les personnes qui sont dans la ville. On est, comme je disais, très heureux d'avoir du monde. Il faut que ça se passe le mieux possible. Et voilà, et je pense que l'été sera chaud, mais bien contrôlé. Tu voulais dire quelque chose, Lionel ? Monsieur le maire, juste une question par rapport... la dernière fois, il était abordé la question de la brigade équestre de la gendarmerie. Alors, la brigade équestre, c'est sur Vieux-Boucau. Nous, c'est ici, sur... Il n'y avait pas une histoire de patrouille si, qui si, devait se faire sur la plage ? Si, il va y avoir. Si. Non, elle est pas pédestre, elle est soit en vélo, soit avec un petit quad. Mais ça, c'est autre chose. C'est confirmé. Ah oui, c'est confirmé. Donc, c'est les gendarmes qui tournent, c'est ça? Absolument. Ce sont les gendarmes, excusez-moi. Oui. Non, mais ça, c'est en plus. C'est-à-dire que ce que j'ai vu vendredi, c'est une réponse à ce qu'il va y avoir cet été pour pouvoir contrôler au mieux, éventuellement, un débordement ou des débordements. Donc, voilà. Donc, mais ça sera mis en place de façon active très prochainement. Et en ce qui concerne la patrouille dont on parlait, ça c'est acté puisqu'il y avait aussi le lieutenant, la capitaine qui était là, de gendarmerie, qui nous a confirmé cela. Et parallèlement à ça, nous on a aussi une brigade des plages pour les surfeurs, qui fera aussi du contrôle sur la plage. Bon, juste pour finir, il y a la présence du SAMU. Je sais qu'il y a toujours ce sujet SAMU entre... Alors, SAMU 40, SAMU 64, c'est oui, le sujet... Oui, SAMU 40, 64, entre ouais. Osegore et Cap-Breton, c'est la limite entre les deux. Et en plus, la présence même d'une personne du SAMU, alors qui était logée chez nous d'ailleurs, je crois. Qui est logée chez nous, qui est partie à Seignos. Qui est très importante pour les secours. Et qui doit travailler plus en lien, notamment avec les pompiers, parce que je crois que les pompiers, chaque fois, sont obligés de faire des allers-retours. Absolument. C'est interminable pour eux d'aller ou à Bayonne ou à Dax en fonction des... Mais alors, là, la disposition du SAMU ou de la mise en route des pompiers qui amènent à Dax ou à Bayonne, c'est le régulateur qui va décider au moment de dire on va là ou on va là. Et donc, si le régulateur est un peu plus futé, bah, du coup, il dit partez plutôt à Bayonne, partez à Dax, ou partez plutôt, ou même à Cap-Breton, si c'est le cas. Mais ça dépend que du régulateur. En ce qui concerne le SAMU 40 et SAMU 64, il y a un vrai problème. Mais là, nous, on est en dehors du système et il est très compliqué d'intervenir. Même si déjà l'année dernière, j'avais demandé des efforts, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, je voulais vous remercier. Avant de nous quitter, vous avez vu que ça a été très rapide, 28 minutes. Je voulais d'abord vous remercier de vous avoir fait déplacer, de votre présence, et je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil, c'est le 7 mai à 19h. On le fera peut-être à 18h, on verra en fonction de la partie. Voilà. Ok ? Très bien. Merci beaucoup, bonne soirée. Et au revoir.